Alors, on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite du Let's Play de Lord of the Fallen. Alors, on en est toujours à l'intérieur là de Castel Bramis. On avait déjà fini d'explorer toute une partie du château. Alors, on a ouvert également le raccourci donc pour rejoindre l'intérieur. Alors, on va passer par là. Bonne question, je sais jamais où je dois aller dans cette zone de merde. Attends. Il y a casse-couille là, carré déjà, dans mon dos. Allez, là on attend un peu. La merde! Je vais me faire ouvrir. Hein. Là il y a un truc là. Oh, je t'avais pas vu toi. Coquin va. Bah. Tu l'as vu le coquinou? Il y a ça là. Ah d'accord, ok. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a par là? Voilà, donc là on ressort ici directement. Oh! Je l'avais oublié ce bâtard. J'adore quand je me fais bloquer dans les portes, c'est un régal. Explosion de merde. Ça, ça dégage. Oh là là, mais jusqu'au bout, vous allez m'emmerder, vous. Franchement. Donc là, on y était allé. Là, on était bon. Là, j'avais déjà récupéré ce qu'il y avait à prendre. Là, il y a quoi, là? D'accord, donc ça, c'est raccourci pour revenir juste là. Ah, j'essaie de visiter un peu la zone quand même, rapidement. Là, il y a un objet. Allez, ça vire. Là, j'y étais allé. Et là, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Donc là, il y a mon con.
Ah, j'aime pas ça. Ah! Ouais, débarrasse-toi-en rapidement, fais-moi plaisir. J'ai jamais trop allé en bas, je crois. Ouais, je suis descendu une fois, mais après je suis mort, je crois. Ah, il y a toujours une fameuse porte là, la porte royale, je sais pas quoi, que j'arrive pas à ouvrir. Là, il y a lui. Ouf, ça j'aime pas. J'aime pas cette attaque de merde. Alors, là on est bon, là on est bon. Là on peut grimper. Il y a quoi là-haut? Ah! Eh ben, c'est vraiment une zone de merde, je te le dis. L'épée d'endoctriné. Là, si tu tombes là, ouais, tu meurs. Pas de problème. Là-bas, il y a encore un ennemi de merde. Là, cette fois, par contre, on peut monter. Là, il y a la fameuse porte royale, je crois que c'est celle-là. Voilà, là, il te faut la clé royale. La clé royale, je ne l'ai pas. Ah oui, et donc là, je peux accéder à là-bas. Ah putain! Arrête de me cibler les ennemis là! Au plaisir! Il a fallu qu'il aille s'exploser sur ma gueule! J'ai plus de vie et ça c'est un peu chiant. Ah. On va arriver au bout d'un moment, non, quand même? Ouais, laisse-le tranquille, lui, là-bas.
Ah merde! On peut pas sauter de là? Quand même. On doit pouvoir, non? Ah, tout simplement. Attends, attends, il y a un truc là. Voilà, on va faire ça. Allez, dégage. De merde. Bah. La zone de merde. La clé royale. Ah ben là, cette fameuse. On l'a fait trouver. Et... Dommage. Oh, c'est ce qu'il veut, c'était beau. Alors. Là, il n'y a rien. Donc là, on a récupéré la clé. Donc on va pouvoir continuer la prochaine fois. Vous avez utilisé la clé royale. D'accord, donc là, ok, là c'est là où on pouvait l'ouvrir la première fois, du coup ça servait pas à grand chose, ça c'est juste un raccourci. Voilà, il n'y a rien d'extra là, ça c'est juste pour arriver là-bas, pour venir là directement, mais je vois pas trop l'intérêt, oulala, je vois pas trop l'intérêt du coup de revenir dans le monde des morts juste là. Là, je pense que ça devrait être bon, là, non? Alors, la clé royale. Ok. Qu'est-ce que c'est encore cette zone, à la con? J'en ai marre. Hein. Y a pas d'ennemis, là? Ok, pour revenir dans le monde normal, pas de problème. Ah! Zone de merde. Ah non, mais il finit jamais avec les zones de merde, t'inquiète pas. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on a là encore? Alors déjà, on va aller par là. Non, là, ils se sont pas, ils sont dit, bon, alors, on va peut-être arrêter de mettre des pièges à la con. Alors là, on peut tomber là comme ça. Ok, comme ça. Et là, on tombe là. Bon allez, on avance.
Encore des casse-couilles? C'est une blague. Deux casse-couilles? Non mais ça va. Oh! Ouais, ça va, non? Faut se calmer un peu, les gars, oh. Où on est là? L'ange, parce que c'est masque de Lord. Ok, le tableau n'est pas dans le bon état, les gars. Attends, là, il y a les escaliers. Ça mène où, ça? Il y a pas un truc pour ouvrir, là? Ah non. Donc là, si je comprends bien... Putain, il faut que je m'envoie automatiquement dans le monde des morts, quoi. Allez, zone de merde. Oh, oh, oh. Calme-toi, hein. Pas le con, hein. Contre-feu. Donc là, je crois qu'on se rapproche de plus en plus de la fin du jeu. Par là. Allez, encore 40 chemins différents. C'est jamais par où aller. Ouais, mais non, pas encore. J'arrive, je me fais déjà emmerder par un connard. Bon, attends, je me fous, je n'ai rien à carrer. Ah, ben voilà. Dis-moi qu'il fallait aller là. Jamais tranquille dans ce jeu. Alors, au cas où, on va aller racheter les graines vestigiales, parce que la dernière zone du jeu, je m'en rappelle plus du tout. Je sais pas s'il y a encore un vestige après, s'il n'y en a pas, s'il faut utiliser des graines. Chosen bearer of the lamp, like you, I serve. Allez, ça c'est bon, j'en ai 4, normalement ça devrait aller. Ok, donc là on remonte. Et là on passe par là. Alors on a vu qu'il y avait le casse-couille là qui arrivait. Thank you.
Allez, au moins l'autre le laisse tranquille là, on va pas l'emmerder. Il est tranquille, il est tout seul, ça a l'air d'être un piège, ça, non? Ouais, ça c'est la gueule d'un piège. Ça avait l'air un peu gros pour ne pas être un piège. Ah putain, il y a un boss, je crois. Il y a un boss. J'avais oublié le mec là qui est tout seul là. C'est un boss. Dans tous les cas, si jamais je meurs, je reviens juste là. En plus, il est solide lui, je crois. Oh, il casse-couille. Ah, mais j'ai plus de 3 vies, donc... casse un peu les burnes. Pas d'endroit où on peut déposer un truc là? 3 vies, ça va être tendu, mais... Ouais, et après tu arrives à la fin du jeu. Ouais. Et là-haut après c'est la fin. Ouais. Le monarque morcelé. Allez, arrache la statue, bats-toi avec, c'est bon, hein? Oh, la tête qu'il a. C'est bien, le mec, il a tiré les chaînes, elles ont disparu complètement. Il est ignoble ce boss. Aïe. Sac à PV, attention! Et merde! Ah putain! Waouh, la technique de merde! Oh, je la connaissais pas, ça, la tête.
Ah! Merde, je suis mort. C'est un miracle. Eh merde, putain! Ouais, je vois qu'il y a un vestige en moi. Eh merde! Allez. Et ah, je l'aime pas cette technique. Ah, j'ai esquivé trop tôt. Je veux pas te casser du coin là, ça m'arrange. Allez, ça y est, il enchaîne. J'ai envie qu'il sorte de ces flammes de merde. Ah ouais, mais là dans les flammes, qu'est-ce que je veux faire?
Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait là? Eh ben voilà, parfait. Ouais, en soi, c'est pas non plus très compliqué. Faut faire un peu attention, après bon, savoir un peu quand, plus ou moins quand esquiver quoi. Attendre un peu le dernier moment, mais ça va. Il n'y avait pas un vestige en gros? Ouais non, d'accord, ça c'est la salle du trône. Non mais ça m'étonne, attends, on va mettre une plante quand même. Je vais pas m'aventurer dans une zone de merde comme ça, direct. Tant qu'à faire, autant mettre un max, maximum de trucs. On va augmenter encore un peu plus l'endurance. Là, on va se reposer. Non, mais de toute façon, j'arrive à la fin du jeu, donc en soi, on s'en fout, quoi. On s'en fout. For you have been deceived, who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact. They speak of light while offering you nothing but blindness. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbrald. With one breath, then decrying it with another. They brand a choice. Reject, dismiss all of them and the torturous mission, and only then, and if you would hear. Ouais, du coup, on a juste le choix de savoir si tu veux accepter son offre ou alors du coup d'aller affronter Adir. Alors, on va entrer dans le royaume. Et on va affronter du coup le boss final. Sont pas beaux eux. Avec ces têtes là. Allez, à dire l'exilé démuni. Alors là, il faut suivre les... Il faut tuer les ennemis comme ça, là. Hein.
created the Rokar as a means. En soi, ce boss, c'est rien d'extra. They too were no match for the heathen forces. In the end, even I fell. Although the judges found themselves unable to kill a god, despite their best efforts. Ah, je t'aime, c'est... Chiant, c'est leur explosion là tout autour. Après, ah, si je tombe là, je clame C. Ah bon. Eh merde, ah! Et merde. Allez, go. Why do you refuse to open your eyes to their manipulations? To millennia, the
of shameful distortions of the truth. For eons, I stood as mankind's guardian, shepherding them with wisdom and love. Yet in return, I was betrayed. Those three power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. The judges and their crazed followers butchered those who remained loyal to me. And when I created the Rogar, to the madness. They too were no match for the heathen forces. In the end, even I fell. Castor. The judges found themselves unable to kill a god, despite their best efforts. In a world left blackened and corpse choked by their crusade. Judges banished me to this barren realm, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set up themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how little time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods. Because of worship, their real ambition, fortune. Ta merde! Yet an outcome. The people deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their names since my banishment? Far more than was ever spilled in my name. Doucement. Sorely mistaken. Mankind needs me now more than ever. And what of other beings who claim godhood? Where are they? What of Orius and the abhorrent Umbral creature? They are cowards hiding in Forsythe. Obfuscating shadow, deeming you unworthy of their presence, their communion. And yet, here I stand before you with two words, open arms. For I love alors, all of my children. Ils sont où les derniers? Allez, taille-toi de là! Non, il y en a là-bas. Listen. Normalement, il ne doit plus en rester des masses. You are in the presence of a god. En bas, je pense. Your god. I formed you from nothing and can just as easily destroy you. Yet you dare defy my will. The world in which you exist. Normalement, c'est bon. Will and prevent my rightful return. Bon allez, tu veux pas te taire un peu?
la lumière et leur trépas. Voilà. Ah, on va passer ça. Alors, donc là, du coup, on a la possibilité soit d'en débuter un nouveau périple, donc vous repartez à zéro, mais vous commencez du coup une New Game Plus 1 pour un défi encore plus difficile. Les vestiges anciens diminuent à chaque niveau de New Game Plus, vous devrez donc compter sur les semences de vestiges. Ben, ça promet, hein. Donc en gros, tu as de moins en moins de vestiges et en gros, il faut utiliser plus souvent des graines de vestiges, ouais. Ou alors poursuivre le périple actuel, et donc là si tu veux tu peux continuer à avancer dans les niveaux, essayer de fignoler un peu toutes les zones et tout ça pour arriver à les compléter en totalité. Tu as encore quelques petits trucs un peu à faire à droite à gauche, genre des quêtes un peu comme ça. Je sais qu'à un moment donné là dans les mines tu peux aller en direction d'une nouvelle fin à partir du moment où tu as la rune d'Adir, je crois. Alors il y a trois fins disponibles dans le jeu, comme dans la majorité des Souls, hein. Donc là du coup on en a fait une, donc on va s'arrêter sur cette vidéo là. Donc de toute façon voilà, moi c'était pour vous montrer le gameplay et le let's play donc du jeu en totalité. Voilà, donc c'est la fin de l'aventure. Bon, en tout cas le boss final, rien d'extraordinaire en soi, c'est juste que c'est un peu chiant, il faut faire un peu attention aux émanations de feu et tout ça là quand les mecs ils explosent. Mais dans l'ensemble, bon, si vous trouvez que vous avez un peu plus de difficultés, peut-être de partir plus sur une armure qui est solide face aux dégâts de brasier, et pourquoi pas un anneau qui va avec. Voilà, mais dans l'ensemble, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, ben, ce que j'ai pensé réellement un peu du jeu, ben, franchement, l'histoire est pas mal. Le jeu est sympa et tout ça à faire, c'est quand même, ça reste quand même un bon Souls-like. Le seul problème, c'est que bon, il y a peut-être un peu trop d'ennemis un peu énervés qui sont un peu répétitifs au fur et à mesure de l'aventure. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop non plus de variation dans les ennemis proposés au fur et à mesure de l'aventure. Mais qui plus est, par contre, voilà, c'est le côté genre un peu. Allez, c'est ce manque un peu d'équilibre et d'équilibrage que tu as, on va dire, dans le nombre d'ennemis au fur et à mesure du jeu. Qui fait aussi que ben, c'est un peu frustrant. Bon, là, j'ai vu qu'ils ont fait pas mal de mises à jour depuis la première fois que j'avais fait le jeu. Donc, du coup, ils ont un peu calmé un peu leur ardeur, là, je pense. Du coup, ça leur y a certaines zones et tout ça qui sont plus simples que les premières fois quand vous faites le jeu, là, notamment dans la zone de glace, quand vous avez le soldat, là, genre le genre de viking, là, avec sa hache. Normalement, il y a deux ou trois chiens. Là, il n'y en a plus qu'un, donc une fois que vous l'avez éliminé, ça va. Je veux dire, mais voilà, il y a toujours un peu un petit problème en termes d'ennemis. Après, une fois que tu sais comment t'y prendre avec chaque ennemi et que tu connais un peu le pattern de tout un chacun, savoir quand parer, esquiver et compagnie, on va dire que dans l'ensemble, c'est sûr que voilà, la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai beaucoup, beaucoup plus galéré, compte tenu aussi du fait qu'il était plus difficile à mes yeux, parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces mises à jour et tout ça. Mais là, en tout cas, voilà, c'était pas non plus très compliqué. Il n'y a aucun boss sur lequel j'ai passé X et X temps. Les boss en soi sont pas non plus très compliqués. Je pense que ce qui est un peu plus chiant, c'est plus les mobs que tu rencontres au fur et à mesure de l'aventure. Trop d'ennemis avec des sacs à PV. Genre, en plus, genre, les mecs, ils arrivent, t'en mettent 2, 3 presque au même endroit. Avec, genre, des gros dégâts et tout ça. Et en plus de ça, c'est des gros sacs à PV et des sacrées attaques. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu frustrant et au début il y avait peut-être quelques zones que j'avais plus un peu rush, on va dire, que ce que je m'étais emmerdé à essayer d'éliminer un peu tous les ennemis. Mais bon, dans l'ensemble voilà, à part ça il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà, ben, j'espère en tout cas que ce let's play vous aura plu. Je vous dis à la prochaine donc sur la chaîne pour d'autres vidéos découvertes, d'autres let's play également. Normalement il devrait y avoir à un moment donné, peut-être quand sortira cette vidéo, au mois de février je crois, il devrait sortir Ronin, par les studios là, Koei Tecmo et tout ça, là, qu'on fait Nioh et Wolong. Donc ça pourrait être pas mal, je pense que celui-ci on va le faire également. Et voilà, bah, après il y aura d'autres jeux aussi, des petits jeux, des gros jeux, des triple A, comme des petits jeux indépendants que je m'amuse aussi à faire et à vous faire découvrir. Voilà, ben laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite de nos aventures. Sur ce, ciao ciao !